je vous offre, ils sont ici. On va accueillir chaleureusement Tom Voulamanos et Pierre Dupont. Alors bonjour, on va se battre un petit peu pour la... Donc, il nous fait vraiment plaisir d'être ici ce soir pour parler de démocratie et comment les citoyens ordinaires peuvent s'impliquer dans notre démocratie. So thanks to the organizers for inviting us to talk about how we as citizens can get more involved in our democracy. Vous savez, quand on pense à la démocratie, au mot démocratie, on tend à penser à certains grands idéaux ou on tend encore à penser au système démocratique de l'État, des institutions politiques, des élections. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'angle sous lequel on veut regarder la démocratie. On veut parler de la démocratie quotidienne, pas de celle qui est abstraite. On veut parler de la démocratie non pas comme un idéal ou un grand système, mais bien comme une pratique. La démocratie comme une pratique qui s'exerce, pas n'importe comment, mais qui s'exerce dans des lieux, dans des espaces de proximité. Donc la démocratie peut être bien sûr à grande échelle, celle d'un pays, mais elle peut aussi être à petite échelle, dans une communauté, un syndicat ou une association. So today we want to talk about not the democratic system as a whole, although it's important, we'll touch about it, but we want to talk about democracy as something that we live and we can live daily in organizations close to us. Democracy is not just a system under which we exist. Democracy is something that we do. Donc, comme Pierre nous dit, la démocratie, ce n'est pas un concept. La démocratie, c'est des pratiques. En effet, il y a différents types de démocratie. Nous avons la démocratie représentative, la démocratie participative et la démocratie directe. Ces trois formes de démocratie ne sont pas exclusives, mais bel et bien complémentaires. Donc, nous avons besoin d'un système de représentation comme un parlement pour légiférer. Nous ne voyons pas comment on peut tenir une assemblée générale de 30 millions de gens dans une seule salle. Donc, il faut avoir un système de représentation qui est redevable et responsable devant la population pour administrer et légiférer avec des pouvoirs et des limites très claires. Mais la démocratie ne se limite pas à voter à tous les 4 ans. Donc, être une démocratie, ça ne veut pas dire simplement de se présenter dans un isoloir pendant quelques minutes pour mettre un X à côté du nom de la candidate, du candidat qu'on veut appuyer. Dans ce cas, c'est Thomas Mulcair. On répète toujours que le pouvoir de la représentation ne s'exerce pas dans le vide. Comme il est impossible de tenir une assemblée générale de 30 millions de personnes, il est aussi impossible d'y attendre que 300 individus peuvent complètement comprendre et maîtriser tous les enjeux d'une société de 30 millions et agir dans la volonté, pour la volonté commune dans le vide. Ainsi, le représentant doit être lié au représenté au-delà des élections. Ceci nécessite des instruments, des institutions, ainsi que des pratiques de participation populaire pour combler l'espace entre le représentant et les représentants. Le bon fonctionnement d'une démocratie représentative, donc, nécessite une démocratie participative. Therefore, members of parliament belong to larger organizations, namely political parties made, yes, of staff members and experts and advisors, but more importantly and more crucially, volunteer members whose role in a democratic party like the NDP, I'm not talking about Mr. Harper's version of top-down government, is not simply to canvass and to donate, as crucial and as important as that is, because that's the lifeblood of a political party, but to also develop our policies through the institutions a party provides, namely, starting with the grassroots writing association, all the way up to our conventions. But don't get me wrong, participation is not through political parties alone, which have their own day-to-day electoral concerns, but through other civil society organizations that are issue-based, the environment, peace, social justice, labor, and other issues. These organizations not only lobby government, but they provide a pool of knowledge, of collective knowledge, which helps build public policy. Without these participatory tools and citizens willing to step up to the plate, representative democracy cannot fulfill its objectives. Dans certains cas, l'enjeu est tellement important que le choix direct de la population sur un sujet
doit être consulté par un référendum, par exemple. Là, nous parlons de la démocratie directe, qui a aussi sa place pour certaines questions. Bref, les citoyens, dans une démocratie, ont des droits. Ils ont le droit à leur opinion, mais ils ont aussi le devoir de promouvoir cette opinion. Je disais plutôt que la démocratie ne se fait pas dans le vide, mais c'est une pratique qui exige des lieux, des espaces de participation. Et donc, il y a fondamentalement, et Tom y a touché un petit peu, il y a deux types de lieux d'implication. Il y a bien sûr les groupes associatifs, la société civile d'une part, et les partis politiques et l'implication au sein de l'État d'autre part. Donc, premièrement, il y a les groupes de la société civile, groupes communautaires, mouvements sociaux, syndicats, coopératives. Je suis certain que dans la salle ici, je ne ferai pas le lever de main, mais il y a plusieurs personnes qui sont membres de telles associations et peut-être même de plus d'une, hein, par exemple, membre d'un syndicat et d'une coop ou deux et d'un groupe communautaire. Donc, ces groupes-là de la société civile sont très nombreux, ils sont parfois grands, mais de la plupart du temps, ils sont plus petits. Ils se concentrent sur un groupe ou un enjeu en particulier, ils visent à donner des services, contribuer à un changement social et influencer le pouvoir. Et ils agissent à l'extérieur de l'État. Les partis politiques, eux, ont une autre fonction et fonctionnent sous une logique différente, mais qui n'est pas moins bonne pour autant. Les partis politiques sont moins nombreux et sont de plus grandes organisations et ils doivent toucher un très grand nombre d'enjeux. Et, contrairement à des groupes de la société civile, ils visent non seulement à influencer le pouvoir, mais à l'exercer. Règle générale, donc les groupes de la société civile sont des spécialistes, et les partis politiques sont plus des généralistes. So we have the two pillars of democratic action and participation. One is associations, movements, civil society organizations, and two, political parties. And this is central to our message this evening, and it's essential to an essential part of the book we just co-wrote together. That as progressives and social democrats, we must work on these two fronts at the same time. La grande encyclopédie Wikipédia nous dit que la société civile est le domaine de la vie sociale civile organisée qui est volontaire, largement autosuffisant et autonome de l'État. Elle nécessite la participation des citoyens qui n'agissent pas individuellement, mais dans un cadre associatif. Comme Pierre a mentionné, nous parlons des mouvements sociaux, les groupes d'action communautaire, les syndicats, les associations étudiantes, les organisations des communautés culturelles, etc., etc., etc. Social movements have had an invaluable historical impact, whether it be unions fighting for the 8-hour workday in the early 20th century, the feminist movement fighting for the basic right to vote, the civil rights movement fighting against institutional racism, the environmental movement putting the pressing issues of sustainability on the public agenda, or the gay rights movement fighting for same-sex marriage. It was not just political parties bringing these issues to parliament, it was civil society bringing these issues to political parties that would listen, because like the NDP, would share the same values of social justice, of democracy, and of equality. Mais la société civile n'a pas seulement eu un impact dans la vie purement politique. Elle a eu et elle continue d'avoir un impact dans une autre grande sphère, souvent oubliée, la vie économique. Et là, on est rendu au moment où nous, moi et mon co-auteur, pour encore une fois plugger notre livre pour une économie démocratique. Dans notre ouvrage formidable, nous argumentons, je crois d'une façon convaincante, qu'il est important de créer des liens entre la panoplie d'institutions démocratiques de la société civile qui touchent à l'économie. Par exemple, et Pierre a mentionné certaines, les coopératives des travailleurs et des consommateurs, les caisses populaires, les fonds syndicaux, les fonds communautaires, les associations de marchands locaux, les organisations en but non lucratif, les associations de protection des consommateurs, les corporations de développement communautaire et d'autres mouvements, comme les mouvements pour la gestion démocratique des entreprises publiques, et pas de public, ou des mouvements pour la participation des travailleurs dans des grandes entreprises privées, ou tous les divers acteurs de l'économie sociale. Nous proposons des liens entre ces institutions pour bâtir une masse critique qui pourrait être le moteur social pour une nouvelle économie qui sera plus démocratique, plus équitable, plus efficace et durable. This critical mass of civil society can be the motor or the locomotive of a new democratic economy, but it needs rails to move forward. What I mean is that civil society's democratic economic institutions need a legal framework to even exist.
They need capital to get off the ground. They may need tax incentives to get more people involved in the associative economic sector. In short, civil society initiatives need public administrators that share their values, to complement them, to support them, and to promote their efforts. On the flip side of this same coin, public administrators need the know-how, the experience, and the initiatives of civil society in order to have the facts down and set public policy for achieving new economic models based on our values. Whether it be in politics at large or more specifically in building economic institutions and alternatives, our politics, the politics of progressive social change, the politics of social democracy, need a joint strategy that places equal importance on public administration on the one hand and on civil society initiatives on the other. These civil society initiatives, whether through political parties or other organizations, need the knowledge, the participation, and the points of view of the person sitting in your chair. Juste pour enchérir, je pense qu'il y a beaucoup de gens, parfois dans nos mouvements, qui voient ça comme contradictoire, hein, l'implication soit dans un parti politique ou soit dans la société civile. Et on veut vraiment marteler que c'est très important et que c'est des connaissances, des expériences complémentaires et que l'expérience qu'on peut acquérir dans un groupe communautaire, un syndicat, une coop ou autre chose, c'est quelque chose qui est en partie transférable à un parti politique, malgré que c'est des types d'implications différentes. Et je sais, nous, on va tout le temps encourager les gens de faire un peu peut-être comme nous on a fait, soit d'alterner ou avoir un pied dans la société civile et l'autre pied dans un parti politique. So you know, participating directly in our democracy is like playing music or swimming. The only way to know if you like it and the only way to get better at it is to do it. Donc vous savez, on entend souvent parler de l'importance de la démocratie participative. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous, ça marche pas si on participe pas. Et cette participation au sein d'organisations politiques ou de la société civile peut être très enrichissante et très valorisante. Et parfois, on peut commencer par des petites tâches, comme faire des appels ou organiser des petites activités, mais sans un ensemble de personnes qui accomplissent des petites tâches comme ça, des organisations comme les nôtres, des organisations démocratiques, surtout quand on sont bénévoles, ne peuvent exister. Et donc, ces petites implications-là sont très importantes. Et vous seriez surpris à quel point une seule personne peut faire une différence. On a des exemples, on connaît des militants du NPD qui se promènent tout le temps avec des cartes de membres sur eux, et j'en connais un qui vend une centaine de cartes de membres par année comme ça. Vous pouvez peut-être vous impliquer pour organiser un événement pour le parti dans votre quartier. You know, sometimes when we think about politics, we think about people making speeches like we're doing now. But, you know, politics is sometimes just one neighbor talking to another neighbor. Someone perhaps that's an undecided, so we can talk about the party. Or if you're a donor, get another donor. You know, sometimes politics is as simple as that, those small connections. Donc, nos organisations ont besoin de militants, de leaders, même si c'est à petite échelle. Et avec nos efforts combinés, on peut apporter des changements profonds dans nos communautés, dans nos syndicats, dans nos coopératives et dans nos partis politiques. Et je peux vous dire que l'implication démocratique et politique est à la portée de tous. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est inaccessible, que c'est quelque chose de loin. C'est quelque chose dans lequel tout le monde ici peut s'impliquer et s'impliquer même davantage. Et parfois, il y a des petits moments frustrants, mais il faut passer au travers parce que les causes qu'on défend les causes qu'on défend sont plus grandes. La participation dans la vie politique au sens large du mot est une des choses les plus valorisantes à la vie de quelqu'un. Il ne faut pas être modeste. Ce qu'on est en train de faire est important. Nous voulons améliorer la vie de nos familles, de nos amis, de nos concitoyens. Mais la participation ne s'effectue pas dans le chaos. La démocratie exige l'organisation. Nous avons besoin de structures organisationnelles pour permettre des gens à participer. Les structures ont besoin de gens qui sont responsables de différentes tâches. Donc, par exemple, les finances. On a besoin de quelqu'un pour payer, pour avoir un local pour se rencontrer. On a besoin de quelqu'un pour être responsable de communication, pour inviter des gens à participer. On a besoin des gens qui vont préparer les documents pour notre réunion. On a besoin de quelqu'un pour écrire le procès-verbal. On a besoin de règles pour les interventions, pour prendre des votes sur des décisions. On a besoin d'une présidente ou d'un président de la réunion
pour imposer les règles. Donc, l'organisation n'est pas une contrainte à la démocratie, mais une façon pour permettre les gens à participer, à passer leur point de vue et à même voir leur point de vue se transformer en action. But democracy also means that sometimes our point of view is not shared by the majority and it actually gets rejected. Now that's a feeling I know a little too well in my years of political involvement and social involvement. Believe it or not, I've had many ideas that weren't shared by my colleagues in the groups I was involved with. And trust me, these were great ideas. I think absolutely brilliant ideas. But unfortunately for everyone, they got rejected. And that was democratic as well. I guess that's when you understand that saying that democracy is the worst system except for all the others. Tant bien de parler de l'organisation, je veux dire quelques mots sur certaines des autres conditions nécessaires au fonctionnement d'organisation démocratique. In order to have good dynamic democratic organizations, we need a certain number of preconditions. And some of those are information, training, and times for reflection. L'information, c'est le sang dans les veines de la démocratie. Ça veut dire que c'est dans l'obligation de nos organisations d'assurer une bonne circulation de l'information, mais c'est aussi dans l'obligation des membres de se tenir informés le plus possible. L'autre chose importante, c'est d'avoir des occasions de formation et de réflexion. Moi, j'ai eu la chance d'être soit président ou coordonnateur ou directeur de différents organismes, soit communautaires ou politiques, et à chaque fois, j'ai fait de la formation une priorité, et c'est là qu'on se rend compte par la suite que c'est beaucoup plus facile de mobiliser les gens quand ils sont formés et informés. So to be fully citizens, and also good volunteers and activists within our organizations, we need to invest the time to train ourselves. And training is essential to what we want to start doing or to become better at what we're already doing. And I'm thinking in this case, for instance, of election training, because we have 2015 is coming and we need to get ready and we need to train ourselves. Oui, la participation est exigeante. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des efforts. Des fois, c'est long, des fois, c'est frustrant. Mais la participation est aussi le fun. Donc, il est primordial de s'amuser, d'organiser des activités sociales, des 5 à 7, des soupers. Si nos journées de travaux sont remplies de résolutions et de débats, nos soirées doivent être remplies de musique et être bien arrosées. Il est important d'avoir du plaisir avec nos collègues et créer des liens et des sentiments d'appartenance plus familial que professionnel. On peut même combiner une activité sociale avec un lever de fonds ou un colloque d'information. The famous political and intellectual and social activist Emma Goldman once said, "If I can't dance, I don't want to be part of your revolution." Remember, we are not called a party for nothing. We need to have fun. And the word fun is at the very root of fundraising. So I've said and said again that democracy doesn't happen in a void. It needs people, but it also needs structures, it needs organizations. And these democratic organizations cannot live without resources, including human resources, but also financial resources. Nos organisations, que ce soit des groupes communautaires, coop ou partis politiques, ont besoin de ressources pour fonctionner. Et nous, individuellement et collectivement, il faut que nous appuyions les organisations dans lesquelles on croit. Si, par exemple, comme moi, vous êtes un fan des coopératives et des mutuelles, ben moi, présentement, je suis tout en train de prendre mon argent qui est peut-être dans des banques privées ou d'autres types de fonds. Je suis tout en train de mettre dans des fonds syndicaux, des coops et des mutuelles parce que j'y crois. Donc, on dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. Il faut des fois que le portefeuille suive les bottines et les babines. Si on croit dans quelque chose, si on croit dans une cause, c'est important de lui faire des dons et ça fait partie de la vie démocratique. Et aussi, si on croit dans notre parti politique, il faut appuyer notre parti politique financièrement. Moi, je suis président d'une association de comté en Outaouais et on fait des gros efforts pour inciter les gens à adhérer à des plans de paiement mensuels. Donc, on s'entend d'avance, il y a un petit montant qui est pris sur votre carte de crédit ou dans votre compte de banque à chaque mois. Juste pour vous dire que c'est très avantageux de faire ça. On faisait le calcul, si quelqu'un donne 10$ par mois, et ça après retour d'impôt, parce qu'il y a un retour d'impôt de 75%, okay. Donc pour 2,50$ par mois, c'est facile à donner. Mais si quelqu'un fait ça,
au bout d'un cycle électoral de 4 ans, ça fait presque 500 $. Et si juste 150 ou 160 personnes dans une association de comté font ça, un petit 10 $ par mois, eh bien, on a une campagne pleinement financée au bout de 4 ans. Donc, je ne voulais pas faire un pitch pour les avantages fiscaux des dons aux partis fédéraux, mais c'est important. Parce que quelqu'un peut toujours dire, c'est la même chose en démocratie. Oui, mais mon vote, je ne fais pas la différence. Oui, mais mon 10 $ ne fait pas la différence. Seul, peut-être pas. Mais avec d'autres, oui, on peut faire une énorme différence. Et je vais vous dire quelque chose, la droite finance très bien ses organisations, ses réseaux, ses think tanks et ses partis politiques. Et je pense que ça fait partie, c'est plate à dire, mais ça fait partie de la vie démocratique d'appuyer les organisations dans lesquelles on croit. Le rôle d'un parti politique est de préparer les élections pour qu'on puisse élire des gouvernements qui partagent vos valeurs. Le rôle de la société civile organisée, c'est de promouvoir des projets dans des domaines particuliers. Mais il doit y avoir une synthèse entre ces deux acteurs autour d'un projet de société. Political parties are about elections and social movements are about projects. But participating in a political party is not just about electionism, and participating in social movements is not just about projectism. There should be a nexus that connects these two pillars, and that is a longer-term transformative vision. Therefore, participation requires patience and persistence. Progressive social change isn't easy. It takes time and effort, but there will be no change without the person sitting in your chair, making that change happen. Merci beaucoup aux organisateurs de l'événement de ce soir. On parlait de l'importance d'activités de réflexion et des activités le fun, donc j'espère que ça en fait partie. Et ce que nous avons présenté peut sembler exigeant, oui, mais c'est en même temps très important, c'est notre avenir qui est en jeu. Vous savez, la prochaine élection, on a la chance, on n'a jamais été si proche d'élire un gouvernement néo-démocrate au niveau fédéral. Et ici, vous avez la chance de pouvoir, au niveau local, mettre un X à côté du nom de la personne qui va être le prochain premier ministre du Canada, Thomas Mulcair. Cette vision alternative au projet de société des conservateurs est plus importante que jamais. Et ce n'est pas tout le monde, parce que ce soir, on a peut-être dit certaines évidences, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a des gens qui ne croient pas du tout dans le type de projet participatif, démocratique, dont on a parlé ce soir. Regardez ce que les conservateurs font. Est-ce qu'ils croient aux élections? Oui. S'ils peuvent l'arranger et s'ils le gagnent. Mais regardez toutes les autres types d'institutions dont on a parlé ce soir. Les organisations conseils pour les femmes, l'environnement ou d'autres enjeux. La cible directe des conservateurs, c'est la première chose que les conservateurs ont coupé. Les attaques sur les fonds syndicaux, le retrait du financement public direct pour les partis politiques, les attaques récentes sur les syndicats. Ils savent ce qu'ils font. Ils n'acceptent pas la vision d'une démocratie plus participative dont nous avons présenté quelques lignes ce soir. Et ce serait très, très facile de tomber dans le découragement ou le cynisme quand on regarde les forces conservatrices dans ce pays. Mais il ne faut pas. Si on tombe dans le cynisme, on joue le jeu des conservateurs et c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et face aux attaques des conservateurs récemment, la question est posée. Faut-il s'insurger? Non, faut faire mieux, faut s'impliquer. Merci beaucoup. Oh.